Et salut tout le monde, c'est Yayo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon let's play sur Sunset Dial sur la map Sunset Dial de Sim Cookie. J'espère que vous allez bien et surtout, je vous souhaite une très bonne année 2014. Bon, je sais évidemment la vidéo va sortir en 2017, hein, le temps que je la monte, que je la publie, etc. Mais moi, je viens de fêter le réveillon, c'est le lendemain. Le nouvel an, et ben voilà, on a fait la fiesta, etc. J'espère que pour vous aussi ça s'est bien passé. Du coup aujourd'hui ce sera un épisode un peu plus spécial. Déjà on a fait un peu avancer l'histoire avec la petite cinématique que vous avez vue avant. Ok, note à soi-même, faire une cinématique avant, voilà, hein, faut pas que j'oublie. Et qu'est-ce que je disais? Oui, un peu plus spécial parce qu'il va durer je pense une heure minimum. Ça se trouve je devrais le faire en plusieurs parties parce que j'attends des gens chez moi là, enfin bref. Mais pour le moment c'est pas le cas, donc on peut commencer. Donc j'espère que vous allez bene, que tout est ok, que vous allez attaquer cette année 2014 aussi bien que moi, avec autant d'espoir pour l'avenir des jeunes. On s'en fout, bref, on est là pour jouer. Alors je propose qu'avant de commencer quoi que ce soit, on commence par s'occuper de nos sims. Donc ça ne veut rien dire, vu que j'ai dit qu'on avant de commencer par quoi que ce soit, alors qu'en fait je commence forcément par un truc, c'est un paradoxe. On va commencer par elle. Fin, elle a faim. Non, on va commencer par les gosses, parce que sinon ça va être insupportable. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? On me porte. Eh ben mieux, on te donne le biberon. Non, la pose pas. Non, je vais te... Voilà. Toi tu vas bien, donc on va te mettre dans... Ah ok, ah oui c'est vrai qu'on a lui aussi. Vas-y, occupe-toi. Changer la couche sale, très bien. Ok, on peut remettre dans le berceau. Toi tu mets dans le berceau, toi tu vas dans le berceau. Toi tu vas un petit pipi sous nez. Brosser, non, je crois que t'es un peu trop fatigué pour ça. Hop là, et Dodo, il est quelle heure? 19h, donc c'est bon, il est dans les temps. Ok, toi, t'as faim pour changer. Alors oui, à chaque fois j'oublie qu'on a des barres de céréales, heureusement, vous êtes là pour me le rappeler. Ok, l'autre, il a pété les toilettes. Ah, bravo. Quoi? Ah, c'est leur anniversaire. On avait oublié qu'ils grandissaient aujourd'hui. Enfin, j'avais oublié. Super, ça va enfin arrêter d'être des gosses qui nous saoulent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On va garder mon objet. Faire pipi. Le temps a passé. Elle a encore besoin de beaucoup d'attention, mais peut aussi apprendre les compétences basiques d'un sim comme marcher et parler. Ce qu'elle apprend aujourd'hui sera la base de son futur développement. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle n'a pas de cheveux. Mais quoi? Attendez. C'est un extraterrestre. Ah mais non, c'est vrai que... Ah oui, non, elle était avec... Mais je me plante, hein, je connais plus qui est le fils de qui, enfin c'est trop n'importe quoi. Ouais c'est ça, mais lui oui il avait les oreilles pointues, donc c'est normal qu'il les ait aussi. Lui il a eu juste... Il a eu deux fils. Lui... Oh là là. Ok alors, Tom et Victoria qui est morte, ils ont eu un gosse, c'est Tommy. Le fils de Tom, Alexis, qui est mort. Il a eu deux enfants avec Irène. Irène, elle a des frères. Ses frères, ils ont pas de gosses. C'est qui ça? Et... Oh là là. Ça devient compliqué. Bim, le temps a passé. Ezio est maintenant... Bon bah, il a encore bugué. Mais pourquoi? Ils n'ont pas de cheveux. N'est pas du tout apprécié. Ok, fais pas ta difficile. Oh, c'est adorable. Il y a des petits-enfants partout. Des petits-enfants. Alors, on va les relooker. Enfin, les...
Est-ce qu'il faut tricher ou on a ce qu'il faut? Non. On va tricher. Alors, pour ça. Lui, Tommy, ça va. C'est quand qu'il grandit, lui? Dans 3 jours. Toi, on me porte. Eh ben, on va en profiter pour te changer. Pourquoi j'entends un bruit bizarre? Bon. Éditer. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans le créer un Sims avec vous. Ah, il a les yeux roses. C'est... Bon, attendez, il y a un truc qui bug sur mon ordi. Ah, voilà. Je sais pas si ça s'entendait, mais il y avait un sort de fantôme VLC qui continuait à fonctionner. Ah, c'est un petit vampire. Très bien. Bon, ça, on triche pas vraiment. Hein. Ah, c'est une petite vampire. On va juste s'occuper de leurs cheveux. Pourquoi y a rien? Non. Je veux m'occuper de leurs cheveux. On va utiliser un code de triche alors. Hop là. Testing. Shots na blade trou. Hop là, modifier. Rien. Normalement, ça devrait fonctionner. Non, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Bon, il y a que cette coiffure qui fait un peu fille dans... C'est dingue qu'ils aient mis que ça quand même. Bref. Elle est bien blonde en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être dans les chapeaux... Ah voilà. À mon avis, dans les chapeaux, ça va être un peu mieux. Ça, oh, c'est mignon ça. On va lui mettre ça. Voilà. Bon, on va dire que c'est... Hop, qu'il a habillé. Hop, je savais pas qu'on pouvait... Bon. Voilà, fais un peu plus fille, fais voir. Les amical artistes. Bon, ça c'est normal. Voilà. Ah mince, ses habits. Oh. On reviendra après la voir, alors. On va s'occuper de l'autre. Mais lui, on va par contre s'occuper de ses habits. Ah bah. Alors, on va faire voir un peu. Pas grand chose, hein. Bon, c'est bien. Hop là. Les habits, oui. C'est un petit vampire, lui, on dirait. Hein. Il a les yeux un peu rouges. Un tout petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Oh, il y a des tenues de plongée pour gosses. Sympa. Mais bon, on s'en fout. Vu qu'ils peuvent pas aller dans l'eau. Pas grand-chose hein, pour les gosses. Pas le laisser tout nu. Ouais, on va dire que c'est bon. On met des petites chaussures quand même pour ne pas qu'il se fasse bobo. Accessoires. Un des brassards. Sympa ça. Tenue habillée. Oh. J'espère que vous n'avez pas entendu ce que j'ai entendu. Tenue habillée. Voilà, on va les mettre ça. Petite chaussure. Hop. Ok. Pyjama. Oh là là, l'horreur. Il va mourir de chaud, quoi.
On va essayer de faire un truc. Bon, là, on peut le mettre comme ça, c'est pas grave. Avec une couche. On va mettre avec ça. Ouais, bon, voilà, avec ça. On dort pas avec des chaussures. Vêtements extérieurs. Alors là, on peut lui mettre un gros truc. Ça, bon, on va mettre ça. Des chaussures, c'est ok. Personnalité, on va voir. Il est athlète, bienveillant. Bélier. Il a plus hérité de son père. Et c'est un vampire. C'est bien, on a donné. Ils sont sympathiques, je trouve. Malou. L'autre, on a dit qu'on regardait ses habits. Désolé. Vêtements. Ouais, on va pas laisser comme ça. Hein. Ah bah tiens, c'est la sortie. Allez, là pour ça. Je trouve pas ça fantastique, mais bon. Voilà, chaussure. Bon, au moins on reconnaîtra que c'est elle. Que c'est une fille, parce que sinon c'est un peu dur. Ça, c'est une musique de des Sims 3, animaux ici, compagnie. Habillé, sympa ça, non? C'est mignon, on va laisser ça. Hop là, pyjama. Pas mal ça. Oh bah elle a perdu ses cheveux. Ah bah oui, parce qu'elle est en mode. Hop là. Je vais juste m'assurer que elle est retrouvée. Non, c'est bien ça. Alors attendez, parce que là ça devient difficile. Voilà, on met ça. Ici, elle sera comme ça. Habillée. Elle sera. Punaise. Comme ça. Pyjama, elle devrait avoir les cheveux longs. Extérieur, il faudra lui mettre les cheveux comme il faut. Non, on lui mettra un bonnet pour extérieur, tiens. Voilà. Cheveux, un petit bonnet. Voilà. Ok. Ça, on l'a vu. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, on les a redesignés. En gros, c'est ça. Vous savez quoi? On va voir un peu lui aussi. Je me rappelle plus comment il est. Hop là. Ça prend pas beaucoup de temps. Puis, bon, on a le temps. Donc, ouais. Ça peut être sympa. De voir comment il était, parce que je ne m'en souviens pas. Base. Ah oui, c'est vrai que c'est une fée. Il a ses petits cheveux comme ça. Les habits. Pyjama, il est comme ça. Quotidien. Ah bah, ça va, lui. Extérieur. Ok, je m'étais pas foulé. Hein. On va juste changer ça parce que sinon on reconnaîtra pas avec l'autre. Je dis pas ça parce qu'ils se ressemblent tous. Hein. Non, non, non. Voilà. Allez, maintenant, dans le lit. Hop, mène machin dans le berceau. Mettre dans le berceau. Et... mettre dans le berceau. Allez, aux toilettes. Ah zut. Et je me rappelle plus qui dort où, enfin bref. On voit un peu le jardin là. On est en quelle année là?
En été, il est toujours avec de la neige. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, c'est quoi ça? On a un petit nain bizarre. On a un gnome. Super. Trop cool. Cet arbre qui rentre un tout petit peu dans notre maison. C'est pas grave. Voilà, allez, 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 allez. Et le temps va enfin pouvoir avancer un peu. Hop là. J'aimerais un peu aller en ville, ça fait un moment qu'on n'est pas sorti en ville. Voilà les maisons qu'on avait rénovées. Tiens, j'ai envie de rénover une maison vu qu'on a le temps pour cet épisode. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, attendez, on va choisir une maison d'abord. Tiens, on pourrait rénover ce quartier, je pense, d'abord. Ou autour de chez nous. Tiens, on va rénover cette maison. Ouais, allez, on rénove cette maison. Hop là. Alors, je prends juste un papier et je marque l'argent qu'on a actuellement. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, on verra à peu près où on en est. Alors, nous avions ici des murs verts. Voilà, alors après le Créer Sims, on se lance un peu dans... Pourquoi il y en a qui sont verts et d'autres qui sont pas verts? Ok, j'ai ma petite idée sur ce qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. C'était peut-être ce qui était prévu à la base. Hop là. Alors là on en met un. On en met un. Là ça m'avait l'air d'être la salle de bain. Donc on va quand même leur reconstruire la pièce. Ok, on va s'occuper de ça d'abord. Hop là. On désherbe. On enlève tout ce qui nous embête. Ah, si on peut prendre. Hop là. Ok. Hop, 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 hop. Ne vous inquiétez pas, hein, on remettra des herbes. Là, c'est juste pour avoir un peu une vision nette de la zone. Ils ont un grand jardin, hein. Ça va. Hein. Non mais je suis trop bête moi. Voilà. Voilà. Ça, ça dégage. Ça aussi. Et c'est bon, on peut s'occuper à nouveau des murs. Okay. Hop là. Ah non, c'est mieux ça. Alors on va mettre ça plutôt. Ce sera plus joli. Pas mal ça aussi. On va le garder. On va mettre de ça. Alors attendez, c'est quoi l'original, c'est ça? On va mettre un noir comme ça. Voilà, très bien. Ça, on va le blanchir. Pour que ça fasse un peu moins destruction. Je sais pas si on a vu une différence, mais on va dire. Hop, hop, hop. Ah non, mince. Ah non, oui, on avait dit que c'était la salle de bain, ça.
Hop là. Parfait. Alors, l'intérieur de la maison. Quoique la porte est un peu destroy. Je me permets d'en placer une nouvelle. De m'occuper maintenant des meubles. Alors, là... Ok, pourquoi il y a ça? On sait pas. Oui, je mettrai le sol après, vous inquiétez pas, j'ai vu. Hop. Alors. C'est un peu compliqué. Là, en fait, ce serait la place pour une télé, mais... C'est pas comme si on allait leur acheter une télé quand même. On a qu'à faire comme s'il n'y avait pas de télé. Ok, là c'est bon. On va dire qu'ils mangent dans la cuisine. Hein. Il y a des gens qui mangent dans la cuisine, j'avais fait un petit sondage auprès de vous d'ailleurs. Pour savoir si vous étiez plus cuisine ou plus pas cuisine. Excellent. Le lit. Ok. La fenêtre, on va la replacer. Bon. Tant pis pour la fenêtre. Le miroir. Hop là. On va leur mettre le minimum. Non, attendez, on va leur mettre le sol d'abord. Histoire 2. On va peut-être rester dans les bois. Enfin non, c'est de la moquette, mais bon. Maison plutôt sombre. Là par contre on va quand même mettre un peu de du sol de salle de bain. Hop là, très bien. Là on va faire une délimitation. Très bien. Bon, ces barrières, je sais pas pourquoi elles sont là. Un petit élan de design de l'architecte. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait les retrouver là-dedans. C'est peut-être ça, mais en blanc. Ouais. Bon, tant pis, on va pas... On va pas s'en occuper. On va rajouter une fenêtre dans la salle de bain. Là. Là. J'aime pas trop quand c'est pas centré. Voilà, parfait. Oups. Hop, 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 hop. Maintenant, le jardin. On s'occupera de ce que j'ai dit que j'allais mettre tout à l'heure. Hop là, hop là, hop là, hop là, c'est bon, ça fera l'affaire. Non, on va mettre un truc un peu taillé, pour éviter qu'on ait l'impression qu'on soit revenu à la fin du monde. Ok. Petite boîte aux lettres, poubelle derrière ici, très bien. Un toit, évidemment. Hop. Quelle couleur le toit? C'est pas mal comme ça. Bon allez, on va laisser comme ça. On va juste peut-être changer la couleur du truc en haut qui est assez immonde quand même. Faut le dire. Ouais, pourquoi pas. Tiens, je vais essayer. Voilà, ça se fond un peu mieux. Parfait. Parfait. Un arbre, des arbres. Oula, ça rigole pas les arbres. Hein. Un arbre, des arbres. J'aimerais éviter de prendre des arbres qui font un peu trop. Oula. Oh, il est stylé cet arbre.
Voilà, bon, on s'en fout. Oups, bon, très bien. Voilà. On va remettre une collection de pierres qu'il y avait. Ok. Ok. Voilà. Là, on peut faire genre qu'ils ont un endroit pour jardiner. Parce qu'il faut quand même remplir un peu. Alors. C'est très bien ça. On va mettre la peinture de l'herbe pour commencer. Un peu pour éviter qu'on voit trop les limites du terrain. Je pense que là on est bon. Non, ici c'est un peu trop dépassé malheureusement. Voilà, je pense que ça va. Et enfin un peu de terre foncée. Ça c'est fond de l'océan, il n'y a rien à faire ici. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas leur ajouter tout de suite des petits buissons? Non, là il faudra qu'ils viennent cultiver eux-mêmes. Et ben voilà. Une nouvelle maison de fête. Alors, maintenant, le mobilier. On avait trouvé des bougies. Tiens, on peut mettre des torches. Ouais, non, ça éclaire pas assez. Ça m'a l'air d'être une bougie, hein. Non. Où est-ce qu'on avait trouvé nos bougies? Même si, bon, je pense que c'est une fausse bougie, mais c'est pas grave. Alors là. Ok. Ok. Là, on a dit. Petit toilette. Je ne sais pas si je mettais le mobilier dans mes autres vidéos. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, regardez. On a plus d'argent parce qu'on a vendu toutes les herbes et tout. Ah bah tiens. Ah non, c'est bon. Du coup, ça va en fait, c'est vachement... C'est pratique, donc en fait, voilà. Tant qu'on n'a pas retrouvé notre truc, on peut se permettre d'ajouter des petits éléments de décor, je pense. Sans que les gens crient ou sandalent. On va mettre un petit tapis. Bon, on s'en fout, un petit tapis au hasard. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Peut-être décoration à l'intérieur de la maison. Pour que ce soit un peu plus chaleureux. Voilà. On a encore un peu de budget. On peut ajouter ça. Petit tableau peut-être. Tiens, on va mettre un calendrier de l'Avent 2014. Voilà. À 100 euros près, on a retrouvé... Bon alors attendez, à 100 euros près, c'est-à-dire qu'on peut se permettre une petite folie. Voilà, allez. Ça fera largement l'affaire. Voilà. 40 euros près. Ok, 40 euros, on peut se permettre une petite folie. Allez, un petit truc comme ça. C'est peut-être un peu grand. Voilà, parfait.
On a gagné 10 euros. Bah 10 euros, ce sera... ce sera... Rien d'autre. On a gagné 10 euros. 10 inflows, pardon. Et voilà, une nouvelle maison. Voilà, on n'a pas fait de barrière. Je crois que j'ai fait des barrières pour toutes les autres. Non, pas toutes. Alors, le mec qui était dans sa maison il y a 30 secondes, je crois qu'il est en train de... de rêver. Hop là, bon, évidemment, il y en a un, c'est le goinfre. Il veut bouffer. Ah bah, il veut plus. Ça tombe bien. Toi, tu dors. Ouais, je suis désolé, je le remets un peu à l'heure parce qu'avec les tests de son et tout, c'est possible que ça dérègle... que je les dérègle un peu. Donc, hop, dodo. Parfait, même le chien dort. Parfait, voilà. Bon, ils sont un peu tous remis à l'heure. On n'en demandait pas tant. Voilà, donc on s'est occupé de nos enfants qui ont grandi. On s'est... qu'est-ce qu'on a fait ? On a redesigné des maisons. Manger nourriture. On a redesigné une maison. On pourrait peut-être en redesigner une autre. Pourquoi pas après tout. Je sais pas. Allez, on va redesigner une maison. Après tout, ça, c'était dans mon plan, de redesigner les trucs. Tiens, je vais faire un test. Hein, c'est vraiment test, test, test. Hein. Je vais construire ce terrain. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vais faire un petit test pour voir si on peut redresser la mairie. Ce qui m'étonnerait, si vous voulez mon avis. Mais bon. Allez, Momo. Allez, Momo. Allez, Momo. Très bien. Oups. Alors, move object on. Bah vas-y que je peux pas le prendre. Pourquoi je peux pas le prendre? Je suis censé pouvoir le prendre. Ça sert pas trop à grand chose de rénover un bâtiment qu'on pourra pas rénover, qu'on pourra pas relever. Non. Bon bah dommage, dommage. Bon, on va rénover. Qu'est-ce qu'on pourrait rénover? Alors attendez, on va essayer de rénover un truc qui pourrait nous servir. Un truc qui pourrait nous servir après les maisons, après tout. On peut s'occuper un peu des trucs communautaires. Allez, on va rénover le parc. À mon avis, c'est un sacré boulot. Donc, vu qu'on a le temps. Oh tiens, jongleur. Elle essaye de gagner sa vie comme elle peut. Hein. Acheter sur ce terrain. Voilà. On va faire ça. J'ai envie de faire un peu de construction. De rénovation plutôt. Puis on avait dit qu'on voulait rénover la ville, la retaper. Et bah voilà, c'était ce qu'on fait. Vu que notre notre histoire principale, enfin notre famille, etc. a vachement bien avancé, on peut un petit peu s'occuper de la ville maintenant. Pourquoi j'ai perdu de l'argent? Les charges. Allez, charge Momo, 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 charge, charge, charge. Ça y est. Oui, je voulais dire un truc pour ceux qui entendent les bruits de mes souris. Enfin, vous entendez le bruit de ma souris. Le problème, c'est que c'est pas mon micro, c'est vraiment ma souris qui a un bruit de malade. J'ai pris une souris en... de nul, ben voilà, parce que j'avais pas assez pour m'acheter une bonne souris. Du coup, les boutons font vraiment un bruit... terrible. Donc voilà. Enfin, je m'achète une nouvelle souris. Donc on a à peu près le même argent que tout à l'heure. Et on va rénover un peu ce parc qui n'a pas fière allure. Donc déjà, on est parti pour tout débroussailler.
Donc, bon, je pense qu'on peut carrément tout enlever, toutes les herbes. Hein. On les remettra nous-mêmes plus tard. Hop là. Oh, cette musique. Je ne suis pas du tout en train de tricher. Je ne veux pas m'acheter un PC. Ah. Oups, musique que j'avais pas du tout prévu d'enregistrer. Je vais vous mettre le lien dans la description si je m'en souviens. Mais c'était une musique que vraiment j'avais chanté juste pour m'éclater comme ça. Puis j'avais décidé pour le fun d'en faire un truc à part. Et finalement ça vous a plutôt bien plu. Voilà. Allez, y a plus rien là. Ok. Ok, cette truc. Ok, bon bah tant pis. Ça s'appelle tricher. Ok, je pense qu'on a enlevé l'essentiel. On va tout de suite s'occuper des peintures de terrain. Des outils terrain. Non, ah bah oui, non, bah je m'étais trompé. Des peintures de terrain, c'est exactement ça. Hop là. Ah, c'est bien, ça ne va pas être long. Allez, on peint tout. Alors voilà, je vous ai fait une petite coupure pour la peinture générale. Je vous reprends, là je vais creuser l'étang. Voilà, ça pourrait faire. Je voulais mettre un peu de sable, mais je sais pas si ça rend bien. Ouais, on va plutôt mettre du sable comme ça. Et tout autour, tout simplement. Ok. Voilà, ça fera faire, hein. Ok. Hop là. Parfait. Non, on va mettre un peu cette herbe foncée partout là où il y aura des arbres. Se passer là. Ok, là il y aura un arbre. Tu vas mettre tout de suite d'ailleurs. Hop là. Ensemble on va l'enlever. Ça c'est pour mettre feu au terrain. En gros. On n'en veut pas, bien sûr. Là,
on va rectifier ça. On va réparer le terrain. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va le retravailler. Ah mais je m'étais trompé de sens. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Excusez-moi, il y a une graine. Il y a une graine là aussi. Voilà. Parfait, on va changer ça. On va prendre celle-là. Ne me demandez surtout pas ce que je fais. Ah, c'est quoi cette musique? C'est la première fois que je l'entends. Voilà. Ok, donc là on va en fait plutôt le supprimer et le mettre à un autre endroit. Car c'était les toilettes. Putain, j'ai l'impression de pas parler du tout depuis tout à l'heure, désolé. Aussi, il y a pas grand chose à dire, donc... Là, je reviens lead with lead. Merde, non, non autorisé, quoi. Pourquoi je... C'est un manque de respect incroyable. Tant pis. Donc voilà, là, on va caser les toilettes. Pas à quoi elle sert cette barrière, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok, alors ça, on va se mettre un peu plus là. Tourner ici. Faudrait mettre des jeux en fait. On va remettre les arbres parce que sans les arbres c'est un peu dur de voir ce qu'on peut faire. Donc là c'est une entrée, on va pas mettre. Je sais pas si c'est normal. Non, ça ne peut pas être normal ça. Pourquoi il y a une entrée dans un coin? Allez, on va l'enlever. Alors attendez, parce qu'il faut évidemment faire le même truc que là-bas. Hop là. Donc on a ça. Re les amis, j'ai fait une pause.
J'étais vraiment crevé, du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va faire une mini pause. Je suis allé boire un petit verre de coca, ça pétille, ça pique. Bref, voilà pour le moment le parc, ce que ça donne. Je vais juste, les gens ils sont là, genre ah ouais on joue, c'était pas la fin du monde il y a 30 secondes dans ce parc. J'ai juste envie de faire un peu de mode vie. On reprendra sûrement soit après soit on reprend après la construction du parc, soit dans un prochain épisode. On verra bien. Lui il faut vraiment qu'il mange un petit coup. Punaise de facture. Qui c'est qui s'est posé par terre hein? C'est moi. Hop là. Nourriture, est-ce que c'est. Pourquoi c'est si loin de ça le truc? Manger dans la gamelle. Alors ça, il n'y a pas de souci. On se lève. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Il veut mourir. Aller dans un cimetière. Ok. Boyer. Trouver métal. Trouver une pierre. Alors ça, c'est combien? 150. Allez, on va remplacer ça. Ce sera plus facile. Qu'est-ce que c'est? Gambader. 150. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Manger de la nourriture. Ah bah, dès qu'il aura fait manger de la nourriture, ça sera bon. Donc le petit goinfre, évidemment. Bah il a faim. Pour changer. Hein. Lui, ah bah tiens, lui aussi. C'est la fiesta. Hein. Chocolaté, hop là. Oui, mon interface est un peu plus grosse parce que j'ai changé ma résolution d'écran. Parce que comme ça, ça réduit un peu les lags. Ce qui est stupide parce que je pense que ça change rien du tout dans mon cas. Mais bon, dans le doute, j'ai fait ça pour pas être gêné pendant la vidéo. Allez, mange. Oh là là, ils sont tous en train de mourir. Ça y est, ça commence. J'espère que les parents ont le temps de se reposer. Oh oui, c'est bon. Vas-y, mange vite ta barre. Puis il est musclé, j'ai oublié qu'il était si musclé. Ah, il a aimé lui au moins. Alors, elle a la faim, lui il a faim. On va attendre qu'il se lève en attendant, on va s'occuper de nous. Comment on s'occupe de nous? Bah tiens, on va un peu brosser le chien. Ensuite, on va déboucher. Et elle, quand elle va se lever, elle va manger. Donc on va lui donner une barre. Elle aime pas aux noisettes, et il reste qu'aux noisettes. Non, c'est bon. Manger. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi de YouTube, etc. Qui embête les youtubeurs. Qu'est-ce que c'est? Démissionner? Pourquoi il a un boulot? Ah oui. Mais pourquoi j'ai jamais reçu d'enfant? Bon, on va attendre dans 3 jours, 3 heures. S'il n'y a pas d'enfants qui viennent, ce sera pas la peine. Alors évidemment, tous là, ils se sont réveillés. Elle va s'en occuper. Ah mais attendez. J'avais installé un mode génial, j'en ai déjà pensé. Je m'en occuperai après de ça, tiens. Ah oui, aussi comme j'ai reçu pas mal de messages sur Twitter et Facebook à propos de ce que j'avais prévu de faire après Sunset Died. Alors si vous regardez l'épisode, je vous réponds maintenant que ce sera plus simple. J'aimerais bien faire une autre série un peu avec une ambiance, enfin dans un monde spécial quoi, pas un monde normal. Et surtout avec des mods, j'ai repéré des mods sympathiques. Enfin bref voilà, j'aimerais faire quand même des parties un peu personnalisées plutôt que juste jouer au sim tout court. Allez, on va tous leur donner à manger. Plus servir à manger par terre. Plus servir à manger par terre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a nettoyé. Il a nettoyé, c'est fabuleux. Lui, est-ce qu'il a besoin d'apprendre à marcher? Punaise, oui, encore. Bon, bah quand il est fini, voilà, apprendre à marcher. Allez, vite donne au petit, là, il est en train de faire une crise cardiaque parce que il a pas à me bouffer.
toi, tu vas gambader. Pinaise, où est-ce que c'est? Faut cliquer dessus. Gambader. Voilà. Apprends-lui à marcher dans le jardin. Oh, le, il fait une de ses têtes de dépressif, le pauvre. Oh, il Il en est la bientôt finie. Oh, oui, c'est bon. Non. What the... Y'a cheval qui est en train de me faire un sourire. Allez, pause. Tout à l'heure, il a fait une pause. T'en vas pas. Puis il y en a un qui a fait un sacré tas là. C'est bien de voir que depuis que j'aurais passé, que j'ai rénové. Putain, j'ai rénové cette maison, je suis fort. Depuis que j'ai rénové leur maison, c'est bien de voir qu'ils ont... qui s'occupent de leur maison enfin comme il faut. Qui font n'importe quoi. Oh, de caramel. Ouais, ça c'est leur jouet imaginaire. Ah, tu pues le gosse. Quand tu auras fini d'apprendre à marcher, on changera ta couche. Puis ça, ils vont tous faire caca. Ah punaise, alors attendez. On va quand même acheter un pot. Un pot. Ok, alors lequel on a plus envie là? Toi, t'es où? T'es là. Tu poses et tu fais alors comment il s'appelle? Ezio. Ezio. Il a vu un fantôme. Non, regardez comme ils sont mignons. Le père et le fils. Sans la mère, malheureusement. L'autre qui court comme un dingue. Tiens, cherche plutôt... quelque chose. Zut, il a toujours pas combattu. Ouais, enfin. Oui. Alors vite, comment ça s'appelle? Gaïa. Apprendre pour la Gaïa. Qu'est-ce qui... On peut pas leur acheter des jeux un peu qui s'amusent, ces enfants, ces pauvres gosses. Parce que là, je ne vois toujours rien faire. Fais voir un peu ça. Voilà, on va leur acheter un peu des trucs pour les rendre un peu plus intelligents quand même. Oh bah tiens, il y a une chambre ici qui n'est pas utilisée. Hop là, enfin pas encore. On va mettre les jeux tout simplement. Mmh. Coffre pirate. Voilà, je pense que pour les tout petits, on peut pas mettre plus. Pour le moment. Donc Ezio, il va faire un peu de musique, tiens. On lui a changé sa couche. Tiens, fais un peu des câlins à ton gosse quand même. Ah bah oui, tiens, on va faire ça. Jouer dans la mer avec Tommy. Jouer dans la mer, punaise, on peut faire ça. Je sais pas si c'est très recommandé d'aller dans la mer là.
nager ici avec. Inspecter l'eau. Bon, ça, on s'en fout. Oh, téléphone qui sonne. Bon, on va aller ici avec Tommy, hein. Ouais, là, peut-être qu'il pourra jouer un lien. Bartomy bien grandir. Je pense qu'il va bien grandir, donc on va le mettre. Alors, on va faire un peu leur souhait, effectivement. Ça, ça fait longtemps. Jouer avec Gaïa. Les enfants musiciens deviennent souvent des prodiges une fois adultes. Ouais, il a tapé 3 notes sur un truc. Mais ce serait plutôt sympa, oui. Alors, attendez, comment on fait pour jouer? Ah oui, un truc sympa, tiens, que j'ai envie de faire. Bon, on dépense un peu d'argent, mais c'est quand même notre nos enfants, hein. Donc, faut quand même penser à eux. Non, c'est plutôt ça, voilà. Tiens, on pourrait faire même une petite balade, tiens. Allez. Hop là, une petite balade. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bien? On va faire du frisbee. Oh, punaise! 37. Ah oui, mais ça c'est parce qu'il faut que je garde quand même pour le parc quand même, hein. Donc faut pas que je me fasse avoir là par contre. Voilà. Hop là. Gaïa. Ezio, il joue. Puis il apprend vite, hein. Punaise, waouh. Ah mais parce que c'est un vampire. Mais je croyais que c'était que la nuit qu'ils apprenaient plus vite, moi. D'accord. Bon bah on va faire ça aussi. Oh, désolé, c'est encore sonné. Excusez-moi. Oh bah tiens, oh, oh c'est des rapides, ils sont où là? Punaise. On a mis la poussette un peu trop tard. Quoique avec la poussette, ça va encore plus doucement alors. Qu'est-ce qu'il veut se marier? Ouais, c'est vrai que la porte. Ouais. C'est qu'il faudrait lui trouver un autre mari. Se régaler contre soi. Bon. Les métiers, c'est pas la peine. Pétard, on va pas dépenser de l'argent. Voilà, joue avec elle. Après, on va faire un duel de force avec le chien. C'est bon, ça m'inspire. Oh, c'est trop mignon. Bon, bah, c'est pas ça, jouer. Ah, jouer un tour. Oui, je me disais bien que l'icône était bizarre. Bah, je suis sûr qu'il y en avait derrière leur écran qui était en train de rager. Mais comment on joue un tour à un gosse? Je vais pas faire ça. Je me disais, elle était gentille, elle voulait jouer. Je suis sûr d'ailleurs dans les commentaires, ceux qui écrivent pendant l'épisode, ils ont dû rager. Genre, mais non, il y a marqué jouer un tour. Ça n'a qu'un styliste. Non, non, non. Apprendre à parler à Gaïa. Alors d'abord, on va faire duel de force avec le chien-chien. Où est-ce qu'il est? Oh punaise, non, bon, il est trop loin. On fera après. Serrer contre soi. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est passée? Je ne pouvais pas la voir, en effet. Alors, serrer contre soi. Après on a parlé. Lui il est en train de défoncer toutes les compétences, voilà. Le chien il a trouvé quelque chose. Ils sont sur la plage. Hop. Problème avec les barres, c'est que la fin descend beaucoup, beaucoup plus vite. Comment on peut jouer dans la mer avec un gosse? Ça je ne sais vraiment. Vraiment pas. Je vous sais beaucoup plus de monde. Voici nous allons jouer dans la mer avec un autre Sims. Puis je sais pas comment on fait ça. Pourtant ouais j'avais vu.
Ça fait quoi ça? Ah mais c'est parce qu'il n'y a pas de plage ici, c'est pas une zone plagieuse. Putain mais comment je vais faire son souhait le pauvre. Faudrait trouver une plage. Mais en effet ça m'a l'air trop abrupt. Sauf là, là ça devrait être bon quand même. Là où ils sont. Étrange, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être à cause des trucs. Hein. Ah bah, ça y est, il a pris la poussette en face. Bon, au moins il faut une balade, ils sont pas tout perdus. Je crois que c'est posé Tommy qui pose un problème. Oh. Non, c'est juste que c'est trop abrupt pour faire ça. Bon, allez, rentrer à la maison. Jouer au disque volant. Jouer au frisbee. Bon, alors, je fais comme si je savais ce qu'il fallait que je fasse, alors que je viens de faire une pause d'une heure, parce qu'on a sonné à ma porte, du coup je ne sais plus du tout ce que je faisais, ça le fait pas du tout parce que vous savez exactement ce que je faisais, donc on va improviser, bon, moi je pense que je faisais comme d'habitude, il y a un terrain là. Alors ouais, apprendre à parler, ok. Jouer au disque volant. Maîtriser pour voir la logique plus tard dans la vie. Mais ce gosse il va devenir un génie là, il apprend tout super vite. Ah cette musique. Ouais bon du coup il rentre parce que... Voilà. Bon ça malheureusement c'est dans le futur donc on peut plus le faire. Ah il peut mettre transformer un loup-garou. 150. Bon ça malheureusement on peut pas. Vous me direz dans les commentaires comment on fait pour jouer dans la mer. Si à mon avis c'est juste parce que la mer était pas comme il faut. Des maisons coupées. Bon, on fera ça après le jeu à ressort, tiens. Où est-ce qu'il est ce petit jeu à ressort? Il est là. Et des Tommy à monter. Voilà. Ouais, il va falloir que tu t'occupes un peu de toi. Je rêve où il est en train de chialer parce qu'il arrive pas à mettre ses cubes. Tom reçoit une invitation à la prochaine fête de Gun. Ah oui, regardez comment il s'excite. Vas-y, excite-toi, allez. C'était excellent. Regardez. Ça rentre pas. Tata claque. Hop là, donc là c'est bon. Manger, ouais, vas-y, mange. Et on va la faire... Ah bah oui, la fête. Voir l'invitation à la fête. Nanana, 21h. Alors attendez, il faudrait que je sache qui c'est. Michael Galantom. Ah, Galantom. Oh, tant d'années que je dis ce nom et que j'avais pas compris ce que je... Moi souvent je lis pas les noms comme ça, je lis à la va-vite, du coup je fais Galton, enfin je m'en fous. Mais en fait c'est Galantom. Genre c'est un homme qui est galant. Découverte de l'année. L'année 2014 je commence bien. Et là, sans aucune forme de respect pour vous, je mange un bonbon. J'y serai. Alors, on va juste trouver où est-ce qu'il habite. Ici. Parce que je pense que pour une bonne fête, faudrait peut-être
rénover à peine la maison. À peine. Donc c'est ce qu'on va faire. Construire sur ce terrain et on va rénover cette maison énorme que j'ai jamais vue. Et que si j'avais vu, j'aurais volé toutes les plantations. Allez, pas de respect, je prends un bonbon. Vous pouvez manger des bonbons pendant mes vidéos. Vous gênez pas. C'est des Haribo. Comment il n'y a plus de respect. Alors. Mais juste essayer de pas que ça rentre dans le dégoûtant dans le micro. Mais bon, écoutez, j'ai une boîte de bonbons à côté, c'est un peu dur de faire comme si je la voyais pas. Bon allez, y a tout qui vire. On s'en fout. Ça, on garde. Je comprends pas pourquoi quand je sélectionne des plantes, il y a tout qui s'en va et pas les plantes. C'est quand même fabuleux. Hop là. Oups, qu'est-ce que j'ai supprimé là? L'escalier, non, on va le garder. Qu'est-ce que j'ai supprimé maintenant? Non, c'est bon. Ok, alors on s'occupe de cette maison parce qu'ils nous ont invités à une fête. Donc, alors attendez, à quoi elle ressemble comme ça? À rien. Ok, donc déjà, faut... ouais, je sens qu'elle va nous coûter cher. Alors, ok, ça me paraît encore logique. D'accord. Je comprends pas trop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon alors attendez. Là on va dire c'est toilettes. Là, salle de bain. Salon, on va dire que là c'est la cuisine. C'est bon, l'étage, on va pas faire un château non plus. Ça fera l'affaire, on va juste... Hop là. Bien. Oups. Délimiter le... truc. La terrasse sur le toit. Ah oui, il faut répondre encore à une autre question. Oui, j'ai tous les disques additionnels de Sims 3. Voilà, j'essaie en fait. Ce que je devrais faire, c'est marquer les questions que vous me donnez et y répondre en vidéo. Je n'y pense pas assez. Hop là. Pour l'étage, ça fera largement l'affaire. Ok. Ça va juste de faire un peu bizarre ici. Attendez, on va essayer de mettre un toit, on va voir si ça fait pas trop laid. Oups. On va essayer de mettre du sol. Ah ouais, j'aimerais bien mettre... Alors je sais pas du tout où ça se trouve. Peut-être dans mode achat. Déco d'extérieur. Non. Ça c'est les jeux. Déco. Décoration de toit peut-être. Nope. Bon tant pis, on va juste...
J'espère qu'en faisant ça, il considérera comme un sol et plus comme un toit. Et bah non. Alors pourquoi? Alors ça c'est la meilleure, tu vois. Bon, on va mettre le toit à la main pour une fois. Ah bah voilà. Ok. Alors. Comment je peux faire ça? Pinaise. Ça va pas être du gâteau. Je vous le dis, ça va pas être du gâteau. Placement dehors des limites. Voilà. Voilà, j'en étais sûr. Punaise. Ça, c'est pas de chance. Punaise. On recommence. Ah ! On va agrandir ça d'un. Place ça comme ça. Ça, comme ça. Ok, c'est déjà pas mal. Ça, on enlève. Ça aussi. Voilà. Non, c'est pas possible. Ok, on recommence. Hop, toi, automatique désactivé. En pente comme ça. Je clique, hop, hop, voilà, on y arrive, très bien. Voilà, bon, j'aurais préféré que la maison soit dans ce sens, du coup. Là, on dirait plutôt l'arrière de la maison. Punaise. Mais bon, c'est pas très grave. Vivement que dans les Sims 4, on puisse retourner une maison. Mais bon, c'est pas très grave, on va laisser comme ça. Alors... on va placer l'intérieur maintenant. Alors d'abord les lumières, parce que sinon moi je vais rien voir. Qu'est-ce que c'est que ce couloir? Non, c'est juste une déco. Alors... qu'est-ce que je voulais? Les lumières. Où sont mes petites bougies? Qui ne sont pas des bougies, mais que honteusement j'utilise quand même. Plus on peut croire que c'est des bougies, hein, parce qu'elles éclairent pas tant que ça. Hein. Je pense qu'on va faire en haut. Je pense qu'on va rajouter une pièce. Alors attendez. Salon. Salle de bain. Chambre. Non, allez, on va se contenter de ce qu'on a. Voilà. Ça, on est d'accord. Les meubles qui sont là, on les replace d'ores et déjà. Ok. C'est plutôt la place des bibliothèques. Des meubles comme ça. Ok. Ah ouais, non, ils avaient fait un truc. Prévu pour que ce soit parfaitement parallèle. Donc on va mettre autre chose ici. On va mettre déco peut-être. Ou la table tout simplement. Mais ça fait un peu bizarre, je trouve. Bon, ça fera l'affaire, on s'en fout de toute façon. On va mettre la table du salon ici. Donc, oh là là, ma caméra qui fait n'importe quoi. Enfin, ma caméra. Mon jeu qui fait n'importe quoi. Hop! On va mettre une table basse quand même. Pour que ça fasse un peu moins vide. Ok, puis on mettra une fenêtre. Ouais, faut pas que j'oublie de mettre les portes. J'espère que j'ai pas oublié de mettre les portes dans notre maison. Ce qui est fort probable d'ailleurs. J'irai vérifier en off. Pas que ça coûte
trop cher non plus. Ok, parfait. Cuisine. Tant pis, on va mettre que des comme ça. Ça fait un peu bizarre. Zut. Totalement inutile. Ce que je viens de faire. Malou. C'est pas trop mal, je trouve. T'attaques un peu trop au milieu devant la porte d'entrée. La porte d'entrée sera là. Je vais mettre les portes tout de suite pour pas les oublier. Je regarde depuis combien de temps on tourne aussi. Ah non. Non, parce qu'en fait j'ai un nouveau téléphone et il s'ouvre avec les empreintes digitales, sauf que je mets jamais le bon doigt. Une heure, oh ça fait déjà une heure. Enfin ça fait même plus d'une heure. C'est pas grave. Ok. Les petites portes pas chères. Ici. Ici. En haut, on en a besoin. Hop. Les fenêtres, on va en mettre une comme ça ici. Voilà. On va en mettre une aussi là. Voilà. Oups. Il faut aussi une là. Perfect. Le papier peint, on le remplace. Vous connaissez la chanson maintenant quand même. Quel papier peint a été sélectionné? Celui-là. Les textures de mon jeu sont vraiment immondes, hein. Il faut que je rechange mes réglages parce que là j'ai peut-être un peu abusé. Hop, parfait. Alors attendez, je vais mettre les murs comme ça, ce sera peut-être plus facile. Oups, ah. Bon, on va voir un peu ce que ça donne de loin. C'est clair qu'elle est plus la tête à se tenir comme ça la maison. Hein. D'ailleurs, regardez, il y a un endroit spécial pour l'entrée on dirait ici. Comment ça se fait que cette maison soit dans ce sens alors? J'essaierai de la changer en mode plan, mode modifier la ville. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Une porte. Ouais, donc moi, je voulais juste faire ça à la base, en fait. Jusque là, on est d'accord. Ouais, je crois que j'ai rien oublié en bas. On va juste faire ça quand même.
Mais la texture comme c'est dégueulasse vu de côté. Ça c'est parce que j'ai un peu trop abusé sur le réglage. Sur les réglages pour baisser la qualité. On va pas trop se prendre la tête, hein. On va juste faire voilà comme ça, sympa. D'ailleurs, pourquoi c'est un peu crâne, hein. Mais ça, c'est parce que c'est mes... Faut se dire que c'est du bois, donc ça va. Pas faire que des palaces non plus, hein. Pas exagérer. Ok, alors on va le mettre le minimum vital. Ensuite, on s'occupera du jardin. On fera un peu de mode vie, malheureusement, faudra se laisser. Ok. Ensuite. Voilà. En haut, on avait dit notre chambre. Ben voilà. Il me semble qu'on n'a rien oublié. Je vais juste rajouter une petite fenêtre. Et ensuite, on s'occupe du jardin. C'est surtout le jardin qui fait un peu toute la différence, je trouve. Hop, parfait. Et jardin. Alors, peinture au sol. Du bon gazon. Il est frais, mon gazon. Oula. Ok, ouais, c'est juste mes textures qui sont dégoûtantes. Je changerai ça au prochain épisode. Voilà, bon, je rappelle, hein, je radote, on fait pas tout pour éviter de marquer trop bien les bordures du terrain. Ça fera l'affaire quand même, pas se prendre la tête non plus. Ok, on va remettre la terre du jardin ici. Voilà, on se débrouille de biais. On ferme le jardin. Comme ceci. Je vais enlever toutes les barrières d'abord. Perfect. On n'oublie pas le portail, évidemment. C'est bien un truc que j'oublie, ça. C'est ridicule. Ah oui, c'est vrai que... Les portaux, ils sont chiants. Dans sa chaise devant. Vous allez voir ma petite dame, vous allez être content quand vous allez voir votre maison. Voilà. J'ai
oublié de faire le sol ici, qu'on va un petit peu rendre plus beau. D'ailleurs, le toit est de quelle couleur? On va changer la couleur du toit. Ça pourrait être pas mal. Voilà. On va voir si je peux faire un joli toit comme ça. Ici. Évidemment, ça va encore donner cet aspect maison à l'envers. Pourquoi il est plus haut Il est plus haut que son frère. Ouais, ça fera l'affaire, c'est déjà mieux que celui qui était avant. On n'oublie pas de replacer 2-3 arbres bien taillés. Important ça. Peut-être contre les zombies. Mais c'est pas comme si on en avait vu beaucoup depuis le début de notre aventure. C'est vrai ça d'ailleurs. Comment c'est qu'on n'a pas vu de zombies? On peut même pas avoir vu une pleine lune. Enfin si, mais je veux dire... Ah si, si, oui, oui, on avait des zombies. Ouais, je m'en rappelle maintenant. Ça fera largement l'affaire comme ça. On peut même mettre la boîte aux lettres là et les poubelles. Là, on referme la petite barrière qui n'est pas ça. Ah, ça, ça va être une autre chanson. Okay. Bon, bah voilà. Je pense que c'est quand même pas mal. On pourrait même ajouter une petite flaque d'eau. Je pense. Évidemment, là on est un peu moins régulière. Voilà, ça peut être sympa. Petite rivière, un petit lac, voilà. Tranquillou. Ça donne une touche de couleur au jardin. Voilà, on ne touche plus rien. Il me semble que le jardin est fini à merveille. Juste ça. Là, il y avait un petit pattern qui était pas mal, on va le remettre. Voilà. Et voilà notre maison, notre invité va être content, il a bien fait de nous inviter celui-là, sinon on n'aurait jamais... Enfin, on aurait fait sa maison sûrement en dernier, ou je l'aurais pas vu. Ah, évidemment, petit fail. Ah, deuxième fail. On retourne ici. Je mange mon bonbon honteusement. Ah non, c'est mon jeu qui a bugué. Ouais. Je me disais, j'appuie, il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, je sauvegardais. Copé. Voilà, j'ai sauvegardé le jeu et j'ai juste oublié de mettre... Oups, évidemment. Une porte. Voilà. Pour qu'ils puissent quand même aller sur leur terrain, j'aurais pu mettre des sièges aussi. Enfin bon, bref, on s'en fiche pour le moment. Et faudrait peut-être s'occuper de notre jardin. Alors, attendez, on va s'occuper de nos sims déjà. Alors, elle veut faire quoi? Elle veut...
apprendre à parler. Lui, il fait ça parce qu'il est content. Il va aller à la fête. Il va jouer au disque volant avec Irène. Irène, hop là. Elle va s'occuper. Non, on va laisser un peu Tommy parce que lui, il est un peu attardé. Dans le sens où on s'est pas trop occupé de lui d'éducation. Donc priorité à lui maintenant. Ce sera le premier à grandir surtout. Mince, il veut dormir. Il va bientôt te coucher. Va faire joujou d'abord. Oh, il marche. C'est tellement mignon. Ouais, je voulais la faire sortir dans le quartier pour chercher un peu, mais finalement, on va jouer au disque. Quand je dirais... Ah zut, évidemment. Le pauvre. Il va aller au cimetière, tiens, s'il a envie d'y aller. Oui, après quelqu'un. Prendre un main antipuce, on lui donnera un main antipuce. Vous voyez que ouais, c'est vraiment un génie, parce que lui il accélère, il apprend beaucoup moins vite. Oula, là, je peux pas me permettre de perdre mon chien. Désolé, t'es obligé de tricher. Il est fort. Pas elle. Il se la pète. Lui, il se la pente partout. D'accord, elle est pas très forte. On arrête de jouer, c'est bon, ça suffit. On va s'occuper de tous les petits. Alors. Toi, ok. Toi, ok. Alors. Servir à manger par terre. Servir à manger par terre. Ok, toi, occupe-toi de toi. Il y en a un qui pue. Ah bah c'est elle. C'est bon, il est content. Tiens, il va aboyer sur lui. Il va aboyer sur quelqu'un, donc je vais quand même lui donner quelqu'un. Sur qui aboyer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je ne vois personne. Ah, parce qu'il est dans le... Il est dans le mausolée là, je sais pas quoi. C'est comme c'est coupé ici. Bon bah génial, il avait trop envie d'aller dans le cimetière. Waouh. Ah ouais, non. C'est bon, ils ont mangé tous les gosses. Ils ont mangé, maintenant tu peux leur changer la couche. Ok, tu peux mettre dans le berceau. Voilà. Puis c'est où? Mettre machin au lit.
oula. Hop. Je vais prendre un être propre. Ouais, il y avait un appel de Michel machin, mais Michael, pardon, mais je sais pas pourquoi, je sais même pas quand est-ce que c'est, ça fait. D'habitude, on a une petite notification. Bizarre. Peut-être demain. Bon allez, ensuite elle va s'occuper d'elle. Je ne saurais vraiment qu'on trouve... De mauvais poils, grognon. Allez, tu te dépêches, ça va pas durer 2 heures. Changer la couche sale. Non. Mettre dans le berceau. Ah d'accord, elle s'est fait dessus. Toi. Utiliser, j'espère qu'ils vont pas se faire la tronche parce que ils sont à deux dans la salle de bain. Le petit fifier, il va détruire un truc, mâchouiller. Ah mais c'est bon, tu vas pas non plus abuser. C'est raté. Oh, bon, allez, va dormir. Ok, bon, tous les lits appartiennent à Tom ici. Dormir, bon bah du coup, comment te dire que tu vas éponger la flaque, manger et prendre une douche. Un bain. Ah, il y a le nain qui vient de se téléporter, je viens de voir. Le gnome, je ne sais pas où il est là. Alors ça c'est le chien. On en avait un autre de gnome. Je ne sais pas. Est-ce que eux ils vont bien? Énergie, ça monte. C'est bon, ils devraient tous dormir. C'est bon, ils dorment. Plus que les parents s'occuper avant qu'il fasse minuit quand même. Allez, vas-y, fais vite. Même le chien il dort. Allez c'est bon, c'est minuit. Dormir. Oh. Petit freeze. C'est bon. S'il y a des puces, il veut donner des puces à Tom. Yeah! Bon. Le bon de la désolation. Chers amis, ça fait une heure bien largement passée, 1h40, bientôt 2h avec la petite intro que j'ai pas encore faite. Donc on va dire que ça fait 2h, bah tiens, il est là, le gnome. Ça fait 2h que nous jouons à Sunset Die, que vous regardez ce let's play, toute la famille est en train de dormir. C'est le moment de nous laisser. J'espère que cet épisode beaucoup plus long vous a plu, on va faire un petit récapitulatif. Ah, on a commencé à réparer le parc central, donc vous voyez que déjà ça fait une tâche de mieux, de plus beau. Ça fera bientôt beaucoup plus beau partout, même si tout ce qui est au milieu, là on pourra pas le relever. On a fait deux maisons, une maison ici. Non, pas du tout. Où est-ce qu'elle est ma maison? Elle est ici. On a fait cette maison, hop là. Donc une maison de rénovée, une... On en a fait une deuxième, alors là je sais plus du tout où par contre. J'avais voulu faire...
ici. Hop, juste devant chez nous pour nous donner une meilleure vue. Hop là, une autre maison de fête. Le parc qui n'est pas fini, mais qu'on finira dans l'épisode prochain à décorer, à rénover, etc. Ici, avec évidemment du gazon, là, ça se voit pas trop. Mais... vous voyez que les textures sont magnifiques. So beautiful. Mais voilà, on va faire le parc. Et voilà, on a bon, évidemment, on aura encore tous les bâtiments à faire. Et nos enfants ont grandi, donc nous avons Gaïa qui devrait grandir dans 4 jours. Voilà, toute jolie, toute mignonne. Lui, c'est le petit génie de la maison. Il apprend tout super vite. Lui, c'est mon favori pour le moment. Enfin, non, j'aime bien Ezio aussi. Mais lui, c'est l'orphelin de la maman. Notre gentil chien qui nous ramène des pierres que l'on peut vendre. 3000 euros quand même, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Pas mal du tout. Ah, c'est heureux. Ah, c'est bon. Pas mal du tout, du tout. Ça, ça vaut. Ouh! Ouh! Je viens de mettre un truc bizarre dans le salon. Comment mon chien a récupéré ça? Bref, 3000 euros. Ça, ça se vend pas. On essaie de le reconstruire. Ça, ça se vend pas. On le garde. Voilà, mon petit chien-ci. Tom, bon, toujours dépressif, mais je pense que ça va aller un peu mieux le temps. Il a fait le deuil. SMS, c'est genre, vous êtes pas venu à ma fête, je parie. Et elle, on va essayer de lui retrouver un petit ami pour qu'elle reconstruise sa vie. Elle est quand même plutôt jeune. Très jeune même, elle est qu'à l'aube de du jeune adulte. Son problème, c'est le sang chaud, effectivement, j'avais oublié. Bref, voilà. J'espère que vous êtes beaucoup amusé. Bon, moi, j'étais un peu crevé parce que, en fait, c'était vraiment... Ah oh, merde, Grotty. C'est quoi ça? Ah non. Parce que oui, j'ai vraiment fait ça le lendemain du nouvel an. Et alors évidemment, on s'est couché super tard et se levé super tard. En tout cas, voilà. Bon, après aussi tenir 2 heures d'épisode, c'est un peu... c'est hard. Mais j'espère qu'il vous a plu. J'essaie de jouer juste normal, quoi. Comme je jouerai moi normalement au Sims sans enregistrer. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour si vous avez aimé cet épisode de 2 heures, pour qu'il y en ait d'autres peut-être, pour des occasions spéciales ou si un jour je suis motivé. Un commentaire pour répondre aux questions que j'ai pu vous poser pendant l'épisode. Me donner votre avis, me donner des idées, me poser des questions, n'hésitez surtout pas. Et voilà, partagez sur Facebook, Twitter, Google+, enfin n'importe quoi, tout ce que vous voulez, pour que des gens découvrent Zendide, parce que si ça vous plaît, peut-être ça pourra leur plaire. Enfin, ça me fait plaisir, évidemment, quand il y a des gens qui regardent. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, etc. Machin. Mais vous connaissez la chanson, hein, je vais pas vous le faire à chaque fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Blablabla. Bon, ça c'est le moment pub, on s'en fout complètement. Vous faites ce que vous voulez. Non, vous faites ce que je vous dis en fait. Mais voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Encore bonne année 2014. Même si on doit déjà être en 2020 le moment où je poste cette vidéo. Surtout 2 heures, ça va être dur à mettre en ligne, je sens. Et à monter. Mais je vous dis merci, ciao, à bientôt, plus. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, ciao. À bientôt pour un autre épisode.